siento a veces que estoy como metido en un sistema de mentiras, ¿no? En el trabajo la gente es muy hipócrita, engaña, miente. Los políticos, que son los más mentirosos, y hasta a veces la gente que yo más quiero me sorprende con un engaño, una mentira, ¿no? ¿Cómo se hace para no influenciarse por todo ese sistema de mentiras y terminar siendo uno mismo un mentiroso? On est dans un système où il y a des mensonges partout, la politique, le travail, et parfois même les gens qu'on aime le plus, ils mentent. Alors comment faire pour ne pas se laisser influencer par ces trucs et ne pas devenir soi-même un menteur? Je pense que chacun trouve ses solutions lui-même. C'est le cas où d'un point de vue se solutionner. Je peux pas prétendre que moi, ma solution, ma manière de faire est mieux qu'une autre. Je ne peux pas prétendre que ma solution ou ma manière de faire est meilleure qu'une autre. Chacun a sa manière de réagir face à ça. Chacun a sa manière de réagir face à ça. Mais le fait de devenir moine, c'est déjà de vouloir trancher ce mensonge. Pero el hecho de volverte monje ya es en principio una manera de querer cortar esta mentira. Hay dos cosas importantes. Hay dos cosas importantes. Vouloir trancher avec ce mensonge. Querer cortar con esa mentira. Et savoir que ce mensonge c'est notre propre mensonge. Y saber que esa mentira es nuestra propia mentira. Et qu'on peut pas totalement s'en... On peut pas totalement s'en séparer. Il n'en peut ni totalement se séparer. Tant qu'on n'a pas ou bien quitté ce monde. Mientras no haya quitado este mundo. Ou bien tant qu'on n'a pas changé ce monde. O mientras no haya cambiado este mundo. Donc tant que ce monde est tel qu'il est, on est obligé de considérer que ce mensonge est le nôtre. Y mientras este mundo sea como es, hay que considerar que esta mentira es nuestra mentira. Ou notre ignorance, ou notre mensonge, je ne sais pas. Notre ignorance, ou notre mentira, je ne sais. Alors, chacun a sa méthode, chacun... On peut aussi utiliser des gens pour aider. On peut utiliser, dans le taoïsme, par exemple. Non, non, tu n'es sous maître. También se peut usar la gente para... Dans le taoïsme, le taoïsme, c'est l'art de changer une énergie perverse en énergie positive. En el taoïsme, c'est l'art de cambiar, de transformer une énergie perverse en une énergie positive. C'est tout à fait différent des religions comme le christianisme. C'est différent du christianisme ou l'islam. Ou l'islam. Ils sont des religions complètement dualistes. C'est une religion complètement dualiste. Et d'ailleurs, les seuls qui font des guerres sur cette planète, c'est les chrétiens et les musulmans. Il faut montrer que les seuls qui font des guerres sur cette planète sont les chrétiens et les musulmans. Et qui prétendent détenir la vérité et qui massacrent les autres. Pretenden tener la verdad y masacran a los demás. Depuis des siècles. Desde hace un montón de siglos. Donc il faut pas agir en dualité ou en opposition avec ce phénomène de perversion ou de mensonge. No hay que actuar en contradicción con este fenómeno de perversión o de mentira. Il faut trouver la manière de le transformer, cette énergie en bonne énergie. Hay que encontrar la manera de transformar esta energía en buena energía. Même à quelqu'un de très mauvais, je l'ai dit hier, même quelqu'un de très mauvais peut complètement changer, devenir un grand homme. Se lo dije ayer, alguien muy, muy, muy malo puede cambiar y volverse un gran hombre. Vous pouvez très bien aussi se servir de cet argent d'une bonne manière. Uno puede también utilizar este dinero y utilizarlo de una buena manera. Par exemple, il vaut mieux perdre une émission stupide à la télé. Por ejemplo, es mejor hacer emisiones estúpidas en la tele. Et avec cet argent, faire quelque chose de formidable, de bénéfique pour tout le monde. Con esta plata, hacer algo formidable, bénéfico para todo el mundo. Que de,
De dire bon, j'arrête de travailler parce qu'ils sont stupides, je ne peux pas fréquenter ces gens-là. Et de dire je vais arrêter de travailler parce qu'ils sont stupides, je ne vais pas fréquenter cette gente. Et puis de plus d'être dépendant des autres, ou de rien pouvoir faire pour aider les gens parce qu'on n'a pas d'argent. Et après, de commencer à être dépendant des autres, je ne peux pas faire rien pour aider la gente. Ce qui est mauvais, c'est de gagner de l'argent d'une façon stupide. Ce qui est mal, c'est de gagner de l'argent d'une façon stupide. Et s'en servir de façon totalement égoïste et utilisable de manière totalement égoïste et finalement destructrice pour soi-même et pour les autres. Finalement destructeur pour l'homme et pour les autres. Donc là, il faut changer cette énergie. Il faut changer cette énergie. Moi, je me souviens que Maître Deshimaru, souvent il recevait des gens vraiment très louches. Muchas veces recibía gente realmente muy rara. Vraiment des gens de la mafia japonaise. Gente de la mafia japonesa. Et des fois on savait plus si c'était un maître zen ou un mafioso. A veces no sabíamos si era un maestro zen o un mafioso. Alors on voyait qu'il avait un tout petit restaurant minuscule qui s'appelait Daruma. Tenía un restaurant muy chiquito, minúsculo, que se llamaba Daruma. Donc il était très fier, mon restaurant. Il était muy orgulloso, mi restaurant. Et alors, des fois, on voyait une limousine énorme arriver dans la rue, elle prenait la moitié de la rue. Et il y avait une limousine énorme qui occupait la moitié de la calle. Et on voyait sortir des mecs en complet noir et tout, des japonais. Ah, japonais, c'est con traje negro. Avec garde du corps et tout. Con guardaespaldas, tout. Ils arrivaient dans le restaurant à Sensei, ils allaient au fond du restaurant. Ils arrivaient au restaurant de Sensei, ils allaient au fond. Et puis ça commençait à parler en japonais. Ils commençaient à parler en japonais. Alors nous, on ne comprenait rien. Nous, on n'entendait rien. Alors, et puis tout d'un coup, il y a un gars, il sortait une liasse de plusieurs millions d'yens. Et de repente, il y a un qui sacaba un paco de un montant de et nous on était là, on comprenait rien. Ah ben il y avait des histoires avec Sensei, vraiment. Sensei, il y avait même des histoires. Vraiment, Sensei, c'est typiquement le type qui allait vraiment, qui transformait les mauvaises énergies en bonnes énergies. Sensei era realmente el tipo que transformaba las malas energías en buenas energías. Fréquentait des gens, il connaissait des gens de partout. Il y a quelqu'un qui est de tout là. Et il servait de l'argent pour sa mission. Il utilisait avec le dinero para sa mission. Sensei, personnellement, il n'avait pas une voiture magnifique. Sensei, personnellement, il avait un auto magnifique. Il n'avait pas un appartement immense. Il avait un appartement immense. Il vivait normalement, il était bien riche, tipo. Il vivait normalement, il avait un rico, tipo. Il mangeait à sa femme, il n'avait pas énormément. Il vivait assez humblement. Il y a partant de vivre même. Il avait ce qu'il fallait. Il avait ce qu'il fallait simplement. Tout son argent, c'était avec le souci de faire quelque chose pour l'humanité, pour le reste. Tout ce qu'il y a con el deseo de hacer algo para la humanidad, para el zen. Il nous disait toujours, mais c'est pas pour ma famille, hein, c'est pour vous, c'est pour mes disciples. Il nous disait toujours, non, c'est pour ma famille, c'est pour vous, c'est pour mes disciples. Et à sa mort, il y avait des problèmes avec la famille. Il y a souvent eu des problèmes avec la famille. Il fallait être juste parce qu'en fait, sa famille, c'était aussi ses disciples. Il avait que ser justo porque su familia también era sus discípulos. Sa femme, il lui avait donné l'ordination de nonne. Su mujer le había dado la ordenación de monja. Ses deux filles avaient l'ordination de nonne. Sus dos hijas tenían l'ordenación de monja. Et son fils l'ordination de bodhisattva. Su hijo tenía l'ordenación de bodhisattva. Et il avait encore deux autres enfants d'un autre couple. Y tenía otros dos hijos de otro matrimonio. Qui étaient tous les deux moines. Eran los dos monjes. Et donc, ses enfants aussi, c'était ses disciples. Alors, ils ont terminé la mission. Ils avaient énormément aidé sa mission. Il y avait énormément de sa mission. Et donc, c'était normal de les aider aussi. Ça, c'est terminé la normale à nous aider. Et ils répondaient le zen de Shimaru au Japon. Ils ont diffusé le zen de Shimaru au Japon. Alors, voilà. Donc, c'est. Il y a un maître. Un de mes professeurs qui disait, un maestro, uno de mis profesores, decía, si
qui disait c'est plus important de savoir comment vous dépensez l'argent que comment vous